Perfetto, grazie, grazie. E qua come si fa a... Merci. Alexis, dimmi quando posso cominciare. Donc dites-moi quand on peut commencer maintenant. Bene, bene, bene. Allora, alla mia sinistra... Donc, à ma gauche, Paolo Del Brocco. Paolo Del Brocco, Paolo Del Brocco. De Rai Cinéma. Il a toujours produit mes films, sauf un que je ne lui ai pas proposé pour ne pas le déranger, pour ne pas que ça me dérange moi aussi, c'était Le Caïman. Ensuite, Domenico Procacci, c'est le troisième film que nous produisons ensemble. Nous avons fait Habemus Papam ensemble. Et puis avant cela, Mia Madre. Ricardo Scamarcio, c'est la première fois que je travaille avec lui. Je le suivais depuis de nombreuses années. Il a travaillé dans des films extrêmement variés les uns des autres, ce qui m'a convaincu sans aucune hésitation que grâce à son interprétation que j'avais vue au cinéma en préparant Tre Piani, cela m'a convaincu donc de le prendre dans ce projet. Margarita Bouille. C'est la seule parmi nous tous qui n'a pas fait de test avant le projet. C'est la seule. C'est le quatrième film de suite que nous faisons ensemble. Caïman, Habemus Papam, Mia Madre et Tre Piani. Alba Rohrbacher, cela fait longtemps que je voulais travailler avec elle et enfin, avec ce projet Tre Piani, je lui ai trouvé le rôle qui lui convenait et j'ai été très heureux de travailler avec Alba. Elena Lietti, je l'ai découverte en regardant la série télévisée Il Miracolo, Le Miracle. Valia Santella, j'ai produit son premier film comme réalisatrice, c'était en 2004. Elle a déjà travaillé avec moi au scénario de Mia Madre. L'autre scénariste, Federica Pontremoli, elle a travaillé au scénario avec moi pour Le Caïman et pour Habemus Papam. Et il y a donc quelques années, 4 ans, nous étions en train de préparer un certain sujet et c'est elle qui m'a proposé « Et pourquoi tu ne lis pas ce livre, Tre Piani ?» Moi, je lis lentement, je l'ai lu d'un seul trait et j'ai compris que ça allait être mon prochain film. La modératrice... Et ensuite, je voulais saluer Adriano Giannini, qui dans le rôle de Giorgio. J'ai été très heureux de travailler avec lui. Ensuite, l'acteur qui joue mon fils dans ce film et qui me donne des coups de pied dans l'estomac. Et comme vous le savez, moi, je ne fais pas les choses à moitié. On en reparlera tout à l'heure. Alessandro Sperduti. Ensuite, Denise Tantucci dans le rôle de Charlotte. Ensuite, Gea Dall'Orto dans le rôle de Francesca. Elle est remarquable. Et puis Francesca Enfant, Chiara Balsa. Karen Di Porto, la mère de Charlotte. Michele D'Attanasio, directeur de la photographie. Et enfin, l'auteur du livre Tre Piani, Escol Nevo.
Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Félicitations pour la Coupe d'Europe, déjà. Bravo, les Italiens. C'est très bien. Ouais. Et j'ai une première question pour Nanni Moretti. C'est la première fois que vous adaptez un roman. Ce roman traite de choses très profondes et surtout très intimes, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nos appartements, de nos maisons. Pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce choix de ce roman et pourquoi l'intime à ce point? Si. Allora, più passa il tempo, plus le temps passe, plus j'aime ce que je fais. La passion ne suffit pas. Certes, la passion compte, mais il faut beaucoup d'attention. Attention aux détails. Plus le temps passe, plus j'aime travailler. Mais plus le temps passe, moins je suis capable d'expliquer pourquoi je fais certains choix. Ici, nous avons un livre, un roman qui parle de thèmes universels. La culpabilité, la justice, la responsabilité en tant que parents, nos choix qui ont toujours des conséquences, nos actions dont nous devons ensuite assumer la responsabilité. C'est un roman tellement dense. Et je ne voulais pas de protagoniste dans ce film. Je ne voulais pas que tout soit un petit peu cliché, aussi bien dans la musique que dans le montage, que dans la photographie, que dans le scénario, ni même dans la décoration. Ce que je voulais, c'est un travail de qualité, mais qui ne soit pas d'autosatisfaction avec des protagonistes contents d'eux-mêmes. Et pour ce qui est des acteurs, pour donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut, je dirais que j'ai essayé d'être réaliste, mais pas naturaliste. Un jeu d'acteurs qui n'était pas spontané. Je trouve que la spontanéité, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Et ces actrices et ces acteurs qui sont merveilleux ont fait vivre leurs personnages d'une façon authentique. Alors, je crois qu'il y a des questions. Il y a une question là-bas. Bonjour, une question de La Repubblica pour Nanni Moretti et ses acteurs. Hier, est-ce que vous avez vu le match de football hier? Et puis, il y a eu notre équipe italienne qui a remonté. Est-ce que vous avez fêté cette victoire italienne? Moi, personnellement, mais je ne parle pas au nom de tout le monde, j'ai vu les buts à la fin. J'ai vu les pénalties, mais je n'ai pas pu voir tout. Paolo Del Brocco, par exemple, je pense qu'il a tout vu. Je pense qu'il a vu le match. Hier, moi, je ne l'ai pas vu, ce match. Votre micro. Moi, je courais sur la croisette comme un fou pour aller trouver un téléviseur pour voir le match. Donc, avec quelques applaudissements, on n'en finira plus. C'est pas tous les jours. Il y a une autre question là-bas. Et Alessandra Magliaro. Alessandra Magnalo de l'ANSA. Une question pour Moretti. Avez-vous lu les critiques sur votre film? Est-ce que vous les lirez plus tard? Qu'en pensez-vous? Oui, je dois dire que il y a 40 ans, je lisais toutes les critiques. Et j'allais acheter les journaux tard le soir ou même la nuit pour prendre les journaux dès leur parution.
Aujourd'hui, je suis un petit peu plus tranquille, j'ai plus de recul. Je n'ai pas encore vu les critiques, mais je suis un petit peu plus détaché. J'achète deux quotidiens et je lis les critiques. Il y a une autre question là-bas. Peter Paul Hoot, Germania Interfilm. Une question pour Signor Moretti. Une question pour Monsieur Moretti. J'ai eu l'impression de retrouver quelques images de vos films précédents. Le bal sur la place à la fin, le tango, un petit peu comme dans La messe est finie, le balcon de Bianca. Et puis Francesca est adulte et puis enfant. Et ce film est comme une somme de votre travail depuis toujours. C'est ma question. Disons que pour les 40-45 dernières années, je pense que l'on peut prendre mes films comme étant des chapitres différents d'un même roman. Pour ce qui est du bal dans la rue, c'est une scène qui ne se trouve pas dans le livre. Nous l'avons ajoutée avec Federica pour la mise en scène. Et il m'a semblé important de s'ouvrir vers l'extérieur. Nous nous sommes enfermés au cours des dernières années. Nous nous sommes enfermés dans nos propres vies, dans nos appartements, dans nos trois étages, et ce bal dans la rue fait sortir les locataires de ce bâtiment à l'extérieur. L'épidémie a complètement masqué un gros mensonge auquel nous avions cru dans le passé, à savoir que nous pouvions nous passer des autres, nous pouvions nous passer d'autrui, nous pouvions ne pas nous sentir partie prenante d'une communauté. Mais en fait, c'est à la fin du film qu'on s'ouvre vers l'extérieur, donc vers les autres et vers l'avenir. Il y a une autre question là-bas. Bonjour, sono Caprara della Stampa. Caprara de la Stampa. Une question pour Margherita Bouille. Yesterday Moretti told that you are. Et je continue en anglais. Hier, Moretti a dit que vous êtes une Meryl Streep italienne. Qu'en pensez-vous? Et puis, pour à tout le monde, je voudrais vous poser une question concernant le match de football. Parce que vous, vous étiez là à regarder le match Allemagne-Italie, et là, l'Italie a gagné une autre fois. Toi, tu as dit quelque chose? Non so che dire, cioè non è vero. Sì, sì, va bene, è vero. Ma c'è vrai, c'è vrai. Contenta, cioè nel senso una cosa. Moi j'en suis très contente, ça me fait très plaisir. Vabbè, insomma, sono onorata. C'est un honneur. Della partita. Alors quant au match de football, qu'est-ce que j'en pense? No, vabbè, sono felice anche per quello, perché comunque avevamo visto. J'en suis très contente. Je suis également beaucoup le tennis. J'ai vu ici des personnes se battre et souffrir. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Hier, nous avons vu les pénalties. Donc, j'en suis très contente de ce résultat. C'est un très beau moment, un moment de sport. Nous nous sommes retrouvés dans un moment de bonheur, un moment très beau, d'unité. Et ça a été une très belle journée hier, de tous les points de vue. Et puis, c'est une squadra senza vivi. Et c'est une équipe sans diva. Soyons clairs,
Moi, je suis pour les divas. Je suis pour les divas. Mais dans le monde du football, nous avons là une équipe sans divas et c'est une chose saine. C'est aussi un travail d'équipe très, très fort. Et je voudrais poser une question au scénariste. Parce que l'histoire, donc c'est sur ces trois étages, se passe énormément de choses très intenses. Cette intensité, elle a dû être difficile à équilibrer parce que ça donne le film très délicat, très puissant, justement parce qu'il se passe en même temps, simultanément, pour tous ces personnages, des choses très, très, très fortes. Comment vous avez travaillé avec Nanni Moretti ces différentes, cet équilibre qu'il faut absolument avoir pour livrer cette histoire aussi forte d'à un moment donné, tout ce qui se passe pour tous ces gens et montrer à quel point, pour nous tous, finalement, il se passe toujours des choses très importantes. Ma innanzitutto, il film a una struttura diversa. Ce film a une structure différente du livre. Il libro sono tre storie separate. Le roman, il y a trois histoires séparées. Les personnages ne se rencontrent pas. Quant à nous, nous avons souhaité procéder autrement grâce à Federica Pontremoli, scénariste. Nous avons, et à Valia Santella, scénariste également, nous avons voulu modifier la structure du livre. Nous avons mélangé les différentes histoires en trois parties allant de 5 ans en 5 ans. Nel libro c'è una tale densità. Mais dans le livre, il y a une telle densité. Che insomma ti porta ad avere tutti i personaggi molto importanti. Que l'on a envie de présenter tous les personnages comme étant des personnages importants. C'était quoi la question ? La question, c'était comment arriver à cet équilibre-là, parce qu'ils sont tellement importants et que ce qui leur arrive. Oui, bien sûr, on y arrive en travaillant. C'est par le labeur qu'on y arrive. J'y ai consacré beaucoup de temps à l'écriture, au tournage, au montage. Ci sono dei registi. Il y a des réalisateurs qui parfois s'ennuient. Un breve passaggio al montaggio. Ils passent vite fait au montage. Nel momento del mixage. Sì, vabbè, au moment du mixage, ils disent oh, ça c'est une affaire technique, je ne vais pas m'en occuper. Ogni fase della non, moi je procède autrement. À chaque moment de la fabrication du film, c'est un moment essentiel de l'expression. Piano piano, con et donc, peu à peu, avec différentes méthodes, on construit l'objet film. Questa storia non dava il permesso. Cette histoire était telle que nous ne pouvions pas nous permettre de faire les choses vite fait, d'avoir des transitions lentes. Chaque personnage est important, donc presque toutes les scènes sont des scènes fondamentales. Comme vous avez pu le constater, nella prima parte più importanza alla nous avons accordé davantage d'importance dans la première partie à l'histoire de Ricardo Scamarcio, dans la seconde à un autre personnage et dans la troisième on se porte vers l'avenir et nous avons donné plus d'importance à l'histoire du juge Margherita Bouille. Poi arriva una domanda sul film che è stato fermo per più di un anno. Ecco, in tutto vous allez probablement me poser une question sur le tournage qui s'est arrêté pendant plus d'un an. Eh bien, j'ai toujours dit à Domenico Procacci, Domenico, attendons la réouverture des salles. Domenico, il ne faut pas me dire combien Disney ou Amazon ou Netflix peuvent m'offrir. Je ne veux pas en entendre parler. Je t'en prie, tu m'évites toutes ces informations, tu me les caches. Pour moi, il est indispensable de voir des films en salle, dans des salles de cinéma, en tant que producteur ou acteur ou réalisateur.
ou exploitant de salle, puisque j'ai une salle à Rome, ce qui compte pour moi, c'est le spectateur. Je ne peux pas me passer de voir des films dans les salles de cinéma, les films d'autres réalisateurs. C'est dans les salles que je veux les voir. Et j'ai là la même curiosité quand je vois les films d'autrui qu'il y a 40 ou 50 ans. Une question ? Oui. Bonjour, J.M. Vogrin, VH Magazine Maroc. Moi, ma question, elle est pour les acteurs, pour Ricardo, Margarita, Elena, Falia. Je voulais savoir, parce que c'est des personnages à la fois singuliers et ordinaires, je voulais savoir, quand on a un scénario basé sur une adaptation, est-ce qu'on va chercher les personnages dans le scénario ou on a besoin d'aller les chercher aussi dans le livre ? Elena. Ma la sceneggiatura come dire per me. Comment dire? Pour moi, le scénario était la référence importante, absolue. Quello che più frequentemente riguardavo. C'est ce que je relisais sans arrêt pour réétudier mon rôle. Anche la Aielé. Del libro, mais que io avevo le roman letto, également que j'avais lu già, et que j'avais bien apprécié avant le tournage, je le relisais aussi bien pour y trouver des similitudes que des différences avec ce que nous faisions. Alba? La sceneggiatura era scritta in una maniera veramente. Le scénario était écrit d'une façon extrêmement précise. Nous avions là la base de tout. Moi, j'avais beaucoup aimé le roman et je dirais que le scénario nous a servi d'instrument et le livre nous a servi de rythme ou d'enrichissement où nous pouvions puiser de l'inspiration en y comparant les similitudes et les différences. Margarita? Sì, beh, insomma, chiaramente sono spesso, diciamo, quando poi ci sono dei libri da cui poi si viene. Quand on a un roman qui sert de base à un film, il est clair que nous avons là un instrument différent du scénario. Le roman en soi, au moins pour ce qui est de mon personnage, raconte de façon longue et précise ce qu'est mon personnage. Pour moi, ça a été très utile car ça a enrichi ce que j'ai trouvé dans le scénario. Bien sûr, ce que j'ai essayé de faire, au moins pour l'étage qui me concernait dans cet immeuble, troisième étage, l'histoire d'une femme, qui est, cette histoire de femme est merveilleuse. Et j'ai retrouvé tout cela dans le scénario, certes. Mais en fait, là aussi, il y a trois niveaux. Il y a le livre, le scénario et le film, qui est encore quelque chose de différent. Donc, tout cela était très intéressant. Nous avons comme base un roman qui nous donne de la force, ce qui est à la base même de ce film. Ricardo? Sì, beh, più o meno anche per me entrambi gli strumenti, diciamo, la sceneggiatura e il. Je dirais que le roman et le scénario m'ont été extrêmement utiles, ce que j'ai lu plusieurs fois. J'ai essayé d'y trouver des sensations et de maintenir ces sensations en tête lorsque je devais incarner ce personnage. Il y a une chose que j'ai trouvée extrêmement juste lorsque Moretti m'a proposé ce film, c'est que le choix de ce roman à notre époque est très intéressant car le roman met en scène des personnages ambivalents, étranges, indéfinissables. C'est une sorte de photographie de la société dans laquelle nous vivons, photographie extrêmement intelligente.
per mille ragioni. Pour mille raisons différentes. Je ne vais pas faire toute une thèse de sociologie sur le sujet, mais ce que je vois dans ce film, ce que je vois dans toute l'ambiguïté de mon personnage notamment, potremmo condannare e liquidarlo. Et quelque chose certes que l'on peut condamner à la va-vite, mais moi j'ai essayé d'incarner ce personnage d'une façon telle qu'il puisse susciter de l'empathie dans le regard des autres. Chiaramente se lo vediamo negli altri. Bien que en fait ce personnage est un peu un monstre comme celui que nous avons peut-être en nous-mêmes. Il y a une question là-bas. Good morning. This is Maria Guerra from Movistar TV Spain. Bonjour, une question d'Espagne pour Nani Moretti. Félicitations pour ce merveilleux film très profond. Question en anglais. Nous nous sommes demandé pourquoi vous n'avez pas mis un peu plus d'humour et d'ironie dans ce film. Il n'y avait pas de place pour cela. Il n'y avait pas de place. Mi sembrava che non so che stonasse. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que. Non lo trovo drammatico il film. Je trouve que ce film n'est pas dramatique. C'est un film douloureux qui ne devient jamais un drame, mais qui reste un hymne à la vie. Principalement grâce aux personnages féminins, grâce aux femmes. Les hommes dans ce film restent têtus, obstinés, ne veulent pas changer de position, restent rigides, convaincus qu'ils ont raison et qu'ils sont du côté de la justice. Le juge que moi j'interprète est un personnage extrêmement dur avec son fils. Le personnage interprété par Adriano Giannini refuse d'avoir quoi que ce soit à faire avec son frère. Le personnage interprété par Riccardo Scamarcio est un personnage obstiné qui reste dominé par sa propre peur qui devient une obsession. Donc les personnages féminins, quant à eux, essaient de raccommoder tout cela, essaient de s'en remettre à un avenir. Un nouveau type ou style de relation humaine. C'est le cas de Margarita Bouy avec notre fils à la fin du film. Vous avez une question, hein? Teresa Marchesi, Huffington Post. Huffington Post, je voulais savoir, Moretti, à la base, il y a un roman. Il y a trois niveaux freudiens dans les personnalités de personnages. Moi, je n'ai eu aucun doute. Je voulais interpréter ce super personnage. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as voulu prendre ce rôle? Ce rôle m'a appelé. Ce rôle m'a appelé. Il a hurlé. Et qui sono invece l'io e l'es? Et qui sont ces autres personnages? Hélès. Hélès est un personnage qui est joué par Riccardo Scamarcio, c'est Lucio, et il se fait dominer par ses impulsions et il se trouve sans cesse dans des situations qui n'existent que dans sa tête, mais qui ensuite provoquent des conséquences extrêmement graves dans la vie des différents personnages. Et le personnage de Alba, Monica, est en plein conflit. Conflit entre ses propres instincts et la partie rationnelle du personnage qui s'appelle Monica, cet instinct auquel Monica semble succomber. No, in realtà, mentre scrivevamo con tout en Federica écrivant Valia, avec Federica e Valia le scénario,
Moi, j'étais là un petit peu à hésiter, je ne savais pas trop quoi faire, et elles ont insisté. Elles m'ont dit que toi, tu devais faire ce personnage. C'est ce qu'elles m'ont dit. Je devais le faire, ce personnage. Et je leur ai fait confiance et j'ai interprété ce personnage. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément d'humour, mais il y a quelque chose de très important dans ce film, c'est le sourire. C'est-à-dire qu'il y a le sourire d'Alba, il y a le sourire du personnage de Margarita Bouy, et il y a même le sourire des personnages masculins à la fin de Ricardo Scarmaccio ou d'Adriano. Donc, en quoi c'est important pour vous que ce film, qui est quand même sur la nécessité de quand même à la fin tous se réunir, en quoi il est important que ça se, d'aller vers quelque chose qui avance, d'aller vers quelque chose qui a quand même humainement forcément une solution, et notamment de montrer ces sourires féminins, mais aussi finalement quand même une trace de sourire masculin sur les visages des acteurs. Excusez, je n'ai pas vu où vous êtes. J'ai pas vu où vous êtes. Ah, c'est ici, ici. Je suis. Sur scène. C'est comme dans le film. C'est quelque chose, c'est comme la fin. On va s'élever tous. Après autant de douleurs, sans que ce film se termine sur un happy end, sans donner des leçons, nous avons ouvert la porte vers l'avenir. Je ne voulais pas que l'obstination masculine soit vainqueur et reste figée dans son propre rôle. Le père qui est juge, le frère qui déteste son propre frère et un père obsédé par la protection de sa fille. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait une ouverture vers le monde, en dehors de ce bâtiment, de cet immeuble, et une ouverture vers un avenir pour les trois histoires que nous racontons. Bien, je pense qu'on va finir sur cette question, cette réponse. Et à titre personnel, je vous remercie beaucoup de finir votre film comme ça et d'avoir dit tout ce que vous dites sur le féminin et le masculin. Je trouve ça formidable. Merci. Merci.